Et bonjour tout le monde, c'est Drake Logan 31 à la manette, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo détente en compagnie de Darfax sur Alien Colonial Marines sur PlayStation 3. Salut poto! Salut les gens, salut Nico. Oh putain, vas-y, refais. j'ai fait con, je suis claqué en plus. De quoi? T'es en faisant le con, moi aussi je fais con, je suis à terre. Aide-moi, ordure! Putain, je suis vénère! Alors là, comme vous pouvez voir, on est toujours sur le Sulaco et je fais que me faire tomber. Aïe, je suis mort! Oui, c'est magnifique! Je me suis fait tuer. Allez, jamais 102. Jamais 203. Oui, parce que pour récapituler un peu le tout, on est en méga gros dur. On s'est dit qu'on va s'amuser. Maintenant on n'est plus des tafioles mais des méga gros durs et voilà. on fait que de crever et voilà quoi. Et en comme fait... dit la bande annonce, qui est le plus gros enculé de toute la galaxie? Et ben c'est pas nous pour le moment. À chaque fois je me trompe de touche et je tire à côté, mais c'est magnifique. Hop là, un de moins. Attends, je vais me le faire lui. Voilà, t'es ramasse, vas-y, une grenade. Hey. Attends, je vais leur balancer une grenade. Vas-y. Voilà, elle a pété juste derrière. Ah, oui, joli. Joli, joli. Magnifique. Allez, allez, allez. Ça rame. Je tue un gars, il met 3 ans pour tomber. Pousse-toi, Iroquois. Allez, hop, 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 hop. Ah, attends, j'ai vu des trucs ici. Ça peut être intéressant. Je suis là. Je me planque dans une réserve près de la zone de chargement 3. Tiens, voilà. J'ai récupéré un gilet pare-balles. Ouais, moi aussi. Ce sont les militaires de la mission. Où est l'objectif? Des soldats mercenaires. C'est ici? Non, non. Le contraire m'aurait étonné. Ils essayent de cacher quelque chose et c'est clair que nous, on ne devrait pas se trouver ici. C'est bien tout le nécessaire. Y a pas de plaque, non, y a que dalle. Jusqu'à la mort, au boulot. Je vais le conduire. Allez. Je vais conduire. Allez, on se dépêche. Pour ceux qui ne le savaient pas aussi, enfin, qui poseraient la question, est-ce que le jeu vaut le coup? Il ne vaut pas du tout le coup. C'est un scénario à chier. Il faut dire que, ouais, ils se sont laissés aller sur ça. Ils se sont foirés sur le scénario, même à... Même s'ils ont fait... Ouais, mais même s'ils ont fait un grand clin d'œil sur le jeu, sur la saga, sur le film, sur les films, oui, vu que le jeu reprend l'histoire entre le 1 et le 2. Non, le 2 et le 3. Le 2 et le 3, oui. Tu t'en souviens pas? Non, non. Pourtant, le 3 est ton préféré. Enfin, ah oui, ah oui, 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 oui. Enfin voilà. Oui, non, il vaut vraiment pas le coup. Même à 30€, il est fortement déconseillé. Ah, j'ai une araignée, Drake. Y a pas de quoi. Merci. Non, oui, il faut dire qu'ils ont fait un gros clin d'œil au film. Pardon, je vais y arriver. Ils ont fait un grand clin d'œil au film, mais. Eh hey, oh, oh! Une araignée. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai en plus! Ouais, toi t'as l'araignée au plafond. Camarade. Mais aide-moi! Putain, tu vois pas qu'elle saute dessus! Ah ouais, bah attends, bouge pas, laisse-toi attraper.
Voilà. Voilà. On n'en parle plus comme ça. C'est pas ouf. Allez, putain, on a une IA de merde là. O'Neill, putain, mais va la chercher, ta copine. C'est sûr que niveau IA, c'est de la merde. Ah, peut-être qu'il fallait faire des coupages. Tu vois, je voulais Ouais, niveau graphisme, il est à chier. À ce qui paraît, ça a peut-être s'améliorer sur les PC, vu que les développeurs se sont rendus compte que bah, il était à chier. Putain, une araignée immortelle. On va Ah ouais. dire qu'il y a eu plus beau comme jeu. Aïe, c'est gluant. Il y a eu plus beau. Bah, je trouve quand même que Alien versus Predator, en comparant à celui-là, les graphismes étaient un petit peu plus beaux. Il y aura certains niveaux que vous avez, pour ma part, hein, parce qu'on parle en titre personnel, individuel, si vous préférez, personnel, quoi. On parle pas pour au nom de tout le monde. C'est un jeu où vous allez trouver des niveaux assez sympas. Et l'œuf, il s'ouvre pas. Il y a une araignée. Vous allez trouver des niveaux assez sympas. Excusez-moi, je coupe à chaque fois. Les bugs. Il bug, the bug. Allez. Attends. Il y a des niveaux assez sympas, quelques nouvelles formes d'aliens qui sont assez sympas, comme bah, le corbeau. Et puis bon. Mais le multi est vraiment nul. Moi qui espérais qu'ils améliorent le multi comme enfin qu'ils On va dire l'améliorent par que, ouais. rapport à Alien versus Predator, et je trouve qu'ils l'ont pas du tout amélioré. Moi, pour moi, le multi, il est pas pour moi. Je préférais largement mieux le multi d'AVP. Même si on devait se taper 10 minutes d'attente pour trouver une partie ou quoi, je préférais mille fois mieux AVP. C'est mon point de vue. Après, si vous pensez autre chose, autrement, c'est votre truc, c'est pas le mien. C'était déjà Voilà, comme mort. par exemple là, le gros bug, Darfax et moi, on traverse une IA. Il va rien arriver. Sa Vas-y, famille traverse, s'envole voilà, vers un visage merci. familier. Mais C'est c'est trop magnifique. bien. Après, ce qui est Est-ce qu'on pourra intéressant, suivre l'aéronef? On est en route pour neutraliser le le système point d'alarme. intéressant, c'est Si qu'on l'aéronef est peut détruit, O'Neill, tout va bien. Essaye juste customiser d'appeler. nos armes, donc leur donner des couleurs, tout ça. Voilà, comme là, ne bouge pas, Commandant s'il te plaît. On peut Dufresne, voir c'est derrière lui le Ripley. On a M4 récupéré Bella de de Ridley notre Lefort, mais cher observée ami par les forces Darfax. Wayland du Bouge pas, s'il Canif. te plaît, je Elle suis en train de contient le le code montrer. pour débloquer la route des secours. Voilà. Prédateur passé Il y par a là, certains trucs qui sont reliant son sympas. service à vous. Après, Il par n'est pas exemple, customisé ce fusil à contrôle vers pompe. l'ingénierie. Non, Je c'est vous pas le fais un fusil à rapport pompe que je dégonné. montrais, c'était le M4 que t'avais dans le dos. Ah, je l'avais dans le dos. Ah ouais. Ouais, tu l'avais dans le dos. Après, il y a aussi un truc assez sympa, c'est ça, par exemple, le découpage de porte. Pendant que vous découpez une porte, l'autre collègue peut vous couvrir. Bien sûr, faites confiance à un partenaire humain et pas une IA à la con. Parce que vous êtes sûr de vous C'est faire sûr. déglinguer la gueule. Voilà, ben ça c'est comme dans à peu près tous les jeux, je pense, c'est qu'il y a une... Les IA sont que des ordinateurs, quoi, des programmes, donc c'est pas vraiment intéressant, de mon point de vue, bien sûr. Léon! Léon! Come Help me! C'est Ah là pareil, là. voilà. Ouais, toi, tu faisais ta référence envers. Ah oui, Ashley. Ashley. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, en fait, il n'y a pas forcément de bons points. Si, il y a la customisation aussi des personnages pour le multi, qui est assez sympa. Ils sont pas restés que sur l'arme. Et la customisation des aliens. Mais les aliens, bah, à la fin, ils ressemblent même plus à des aliens, mais à des dinosaures. C'est vrai. Le niveau de personnalisation des aliens qui est assez intéressante hein, d'un point de vue, c'est qu'on peut créer son propre alien, on peut lui mettre le casque, si on peut dire, la caboche qu'on veut. Là, je leur balance une grenade. Il y a trois types d'aliens. Le crasher, L'avaleur, celui qui avale, non? voilà la valeur. J'adore avaler. Et le warrior. Le voyeur. Le warrior et le sauteur.
Hop, 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 hop. Ah, on a la sulfateuse. Ouais, je vois. Ah putain, vas-y, planque-toi, planque-toi. Moi je suis à terre. Il arrive, il arrive. Je te réanime. J'ai des putain. Ah, je suis touché. Ouais, et moi avec une balle, je l'ai tué, c'est fou. Ah bah attends, je vais balancer quand même trois patates. Voilà, comme vous pouvez voir là, j'ai refait les lacets de mon cher collègue là, je suis en train de lui refaire les lacets. Parce qu'il ne sait pas les faire, bien sûr, c'est normal hein, on est des soldats hein. On nous demande pas à faire des nœuds, on nous apprend à tuer. Ou alors à défendre aussi. Voilà, après au niveau graphisme, je ne pourrais pas dire que c'est vachement dégueulasse. Parce que c'est quand même assez... On a une atmosphère assez sympa, si on peut dire. À part que là, il y a une mouche qui m'emmerde au milieu de l'écran. Tarfax, se dégage. Je déconne. Mais je t'emmerde. Mais moi aussi, je t'aime. Mais après... Moi aussi, je m'aime. Mais il faut pas le dire. Mais après, non, voilà, quoi. Après, bon, ça va pas péter loin, quoi. Non. Ça aussi, par exemple, si vous êtes à la traîne comme je viens de le faire, si un de votre collègue est plus en avance sur le terrain, il vous téléportera automatiquement sur une autre zone d'opération. Et moi là, je suis dans le rouge, je sens que ça, on va se marrer, donc je vais recharger mon fusil à pompe. Ça peut être sympa de jouer en ligne à 4 joueurs avec des amis. Oui, ça peut être sympa. Passer une petite soirée comme ça. Ça peut être sympa, se foutre de la gueule un peu du jeu, mais c'est pas un gros jeu, quoi. Mais pour passer du bon temps, on en a passé des bons temps ensemble, sur ce jeu. Oui, je sais, une nuit inoubliable, je sais, on me le dit, tout le monde me le dit ça, une nuit. Ouais, je me souviendrai du temps où tu avais de bonnes armes. Ouais. Oui, vu que maintenant voilà ce que je voulais faire. Je m'en doutais, il y avait un truc qui me bloquait. C'était bizarre. C'était normalement j'ai fini le jeu avec mon cher Darfax, mais comme je n'avais plus de place sur la PlayStation pour mettre d'autres jeux, j'ai tout effacé. L'installation, y compris les sauvegardes, donc maintenant je me retrouve avec des, si on peut dire, des... C'est moi qui dois fermer la porte ? Ouais. Des... Voilà, tape le code, 3615. 118 218. Voilà, alors que mon cher collègue, lui, il a des putains de customisation, il a le camouflage faucheuse et tout et tout. Faucheur, je crois, ou faucheuse ? Ouais, faucheur. Faucheur. J'arrive jamais à te reconnaître. Donc voilà, il y a pas. Bon, après, c'est pas l'arme qui fait le soldat. Hein. Oh! Tiens! Quelle philosophie! Je préfère c'est mon petit fusil à pompe. Ouais. Attends, je vais essayer le. Ouais! C'est excellent ça! Tu devrais l'essayer le fusil à pompe là, tu sais, sous le canon. C'est vraiment excellent. Ouais, je sais, mais je préfère la patate. D'un côté, je crois l'avoir mis sur je sais plus quelle arme. T'as pas une grenade à balancer en bas des escaliers là ? Si, je sais dire. Je devrais. Bah, ça c'est beau. Normalement, je sais pas, j'ai pas vu, j'étais sur la droite. Ah, moi aussi. J'étais sur la droite. Ça c'était mon chien. Voilà. Oui, oui, il participait à la guerre. Oui, je n'ai pas honte d'utiliser des animaux pour la guerre. Ouais. On se sert de lui comme appât. Voilà, comme appât. Pour les aliens. Et comme vous pouvez voir, on appelle ce jeu Alien Colonial Marines. On n'a pas vu de seul alien. C'est pas magnifique. Ouais. C'est vrai. Vu que là maintenant on se bat contre des mercenaires de. Je suis à la traîne moi. Les gars de la Wayland. De la Wayland Spaghetti. Boulot. Au carbo. Ah oui. Ah, et vous pouvez, enfin, vous inquiétez pas, si vous avez l'occasion d'y jouer et que vous ne jouez pas en mode gros dur, on peut voir ses munitions, sa vie. Voilà, et la mire de visée.
contrairement à ce que maintenant, vu qu'on est obligé nous de nous mettre de se mettre un viseur laser. C'est ça. En fait, on est trop doué, c'est pour ça qu'on a mis en mode méga gros dur. Voilà, tout à fait. Ah. J'ai reconnu la musique. C'est pas une bonne musique. Allez, je te refais le visage. Chirurgie esthétique gratuite. Ouais, excusez-moi si je n'ai pas parlé. Je joue au petit flingue pour l'instant. Ouais, on n'a même pas croisé un seul alien. C'est Non, dommage. non, il y a J'aurais des aimé. petites araignées. Alors, je crois que t'as pas compris ce qui t'est arrivé là. Si je me suis fait tuer. Parce que vu que maintenant je suis ta cam. C'est moi qui te couvre les arrières et tout. Ah, le Comme pouvait. bidon Voilà. derrière qui t'a explosé. Ouais, sûrement. Celui qui a un trait sur le crâne, hein, c'est Darfax, bien sûr. Tu devrais faire balancer une grenade avec contre le mur pour faire un ricochet. Ah. C'est bon ça, c'est bon. Oh le vilain, il voulait jouer à cache-cache. Mettre 4 ans pour tirer, ça rame ce jeu, c'est pas possible. Tiens, je voulais pas voir ta ça. Hop là, merci cher collègue. Mais de rien. C'est reparti mon cucu pour un petit tour. Les mecs, quand ils sont pas malins, quoi. Ils laissent leur lumière allumée, quoi. Leur lampe. Là, depuis tout à l'heure, je tire comme un malade, quoi. Mais ils crèvent pas. Bah en fait les balles elles mettent trop de temps à partir je trouve. Je sais pas si c'est ça ou quoi, mais bon. Bon, je crois qu'on a tout, hein. Oui. Oui. À la guerre! Allez on... Quand on va ouvrir la porte, et je pense que la vidéo s'arrêtera là, On va vous montrer. il va falloir que j'aille vomir. Quand vous jouez à la fin... Je vais couper, on va couper là, on va s'arrêter là. Je vais Voilà. vomir, on va aller vomir un petit coup là. Peut-être que C'est ça. Dark, il va aller se tailler les veines. Et on vous conseille de ne pas regarder la fin, enfin la vidéo de fin de ce jeu, vous risquez de... D'être un peu déçu. non, même pas vous suicider, faire un attentat à la bombe Là, c'était pro. dans Là, Gearbox. et voilà. Ce qui est dommage, c'est ça. Quand on tue un mec, il n'y a pas de sang qui gicle, il n'y a que dalle. Je trouve ça extrêmement dommage. Mais ce n'est pas des hommes, c'est des droïdes. Mais je vous ferai, si vous voulez, une petite vidéo de Alien Colonial Marines. J'y perds mes mots. En multi. Pour vous montrer à quoi ça ressemble. Fais gaffe, n'avance pas trop, ça explose ici. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est le seul truc qui est bien fait, les explosions encore. Ah bon, moi je te couvre ton Fusil à cul. pompe. Ouais, moi je vais ouvrir la marche au fusil à pompe. C'est Fais plus gaffe, je sûr. crois qu'il y a un gars à sulfateuse au fond. Ouais. Voilà. Il n'y en a plus de sulfateuse. Je sais même pas où il faut aller. Si, ouais, c'est là. Putain, ouais, je suis claqué, je suis désolé. Oh, t'en fais pas. C'est. De toute façon, j'excuse plus maintenant, donc c'est fini. Ah. Oh, t'as vu? Il tape toujours le même code. Non, mais t'as pas vu? On voyait nos deux doigts. On avait fait carré en même temps. Le gros bug. Ils vont surveiller le pont en force. J'étais sur toi en train de taper, puis toi aussi. Tu la sens? Oui, tu la sens. Ah, je suis claqué entre la conduite de ce matin. Bon, ça m'a pas trop tué, mais j'ai senti un gros truc Ouais, lui aussi, il a senti un gros truc. dans le derrière. On appelle ce jeu Alien Colonial Marines. On va pas être seul alien. C'est bientôt prêt. Allez, strike! Même pas, putain! Strike. Donc voilà. Oh putain, une tourelle! Ça va pas aider de leur tirer dessus!
Donc c'est là que la vidéo va se terminer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire et un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, passez votre chemin. Je vous dis à la prochaine. Et pour ceux Je vous qui dis à la prochaine. sont pas abonnés ou qui n'ont pas de chaîne YouTube, je vous remercie tout de même de regarder ma vidéo et de me suivre. Je vous dis à tous à la prochaine. Darfax, merci beaucoup. Mais de rien, c'était un plaisir, comme à chaque fois. Je sais, c'est toujours un plaisir avec moi. Bah, qu'est-ce que tu veux? On me le Qu'est-ce dit, que tu veux? on me le dit. Allez, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut, salut!